Hélas, les enfants ont été kidnappés culturellement par ceux qui imposent une musique aux jeunes en leur faisant à croire que c'est ça la musique des jeunes. Marketing puis musique, ça va juste pas ensemble. C'est pas un iPhone ou une symphonie de Beethoven. C'est pas un produit de luxe. C'est pas un produit tout court. Tous les gens qui participaient au concert avaient dit « Mais mon Dieu, mais c'est l'âge d'or qui vient au concert ici! » Beethoven, Mozart, Tchaïkovski, de l'opéra, Verdi. Bon, s'ils pensent que je vais écouter ça. C'est pas de musique qui est accessible d'emblée. Peu de monde dans le public sont à 100% d'écoute tout le temps, j'en suis sûre. Fait qu'on n'a pas besoin d'exiger ça des enfants. Au fond, si j'avais la recette de comment rajeunir et renouveler la clientèle de musique symphonique, je serais sans doute très riche aujourd'hui. On entendait tous les dimanches. Alors j'ai entendu Toccate et Fugue de Bach sans savoir qu'est-ce que c'était. L'église a été la mère, non pas seulement du théâtre, mais la mère de la musique. Là, ce qui manque encore, c'est une conscience chez les musiciens d'orchestre que c'est une performance.